Allez, on quitte le golfe de Juan-les-Pins. Nous étions au mouillage proche du tout petit port des Croutons, avec un autre petit port à côté, la Galice. Et on va aller chercher un mouillage sur les îles de l'Hérens. Allez, c'est parti. Et voilà, petite ambiance sur les îles de l'Hérens, Sainte-Marguerite, ça chante. Et pour une fois, c'est pas Valérie qui chante, mais plutôt les cigales. Bon, maintenant elles sont nombreuses. Allez, petit mouillage diurne, le temps du déjeuner. Oh, elle est bonne. Le bain de Serge aux îles de l'Hérens. De l'Hérens, comme on peut voir, bien encombré entre les deux îles. Et bonjour à la caméra. D'aller courir les filles, les moines. Voir au loin l'arrivée de Christophe en annexe. Donc Serge vient d'aller le chercher vers la gare de Téville. Et semble-t-il, un équipage 100% féminin.
Et qui c'est qui commande et qui tient la barre? C'est un mec. Ceci dit, moi j'étais occupé à autre chose. Hein. Oui, bah. Alors, bon. Ouais, t'es le meilleur après moi, ça. Allez, petite navigation sous voile. On a 8 nœuds de vent réel, on sort du mouillage de Théoule. Objectif de la journée, rejoindre le port de Fréjus. De marque monégasque.
C'est toi. Non, on va faire ça. Le Xama. Et son équipage. L'équipage, c'est un bien grand mot. Santé. Le Masserval. Bien, je te laisse terminer ta petite collation. Oui, moi, je vais aller au Chip, aller chercher une paire de bricoles. Comme ça, ça te laisse le temps. Et je repasse te prendre pour les démarches administratives à la capitainerie. Parce que tu es toujours prêt à rendre service et serviable. Eh bien, je ne te le fais pas dire. Parce que si c'est moi qui le dis, on va pas le croire. Alors, puisque c'est comme ça, ce soir, je te coupe les cheveux gratuitement. Bah écoute, je préférerais que tu prêtes la tondeuse à Valérie. Au ciseau, je te les coupe au ciseau. Non, au... Ah, bah, elle est coiffeuse, si vous voulez. Ah, bah, ça... Ah bon, elle est coiffeuse. Ah, alors, elle est coiffeuse. Ah bon. Alors. Ah, bah, il est là. Eh oui. Je demandais où était ton bateau. Sur mon feu gaz batterie, d'accord. Une fois que l'ébullition a repris, je coupe le gaz, je mets un couvercle et j'attends 10 minutes. Au bout de 10 minutes, c'est al dente, mon pote. Mais si tu fais ce système-là, que tu n'as pas pris la précaution de mettre un petit filtre. Oui, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'huile dans les pâtes, ça ne sert à rien. Demande à Philippe. La seule chose, c'est l'eau salée. Michel, il n'a pas mis d'huile. T'as vu, ça faisait des pâtes. J'ai mangé des pâtes en paquet. Voilà. Tu les as patouillés tout le temps. C'est pas moi. Les commentaires, parfois, je les fais en écrit. Ah, tu les fais en écrit. T'as remarqué? Oui, oui. Non, mais j'ai remarqué que ça reflète pas notre réalité, alors. Oui, mais tu te souviens de la dédicace sur les confitures? Oui. Parce que j'ai sur le Masserval, en live, Michel, qui nous a confectionné quelques confitures que nous avons dégustées avec Michel et encore aujourd'hui avec Valérie. On est parti avec trois ou quatre pots de confitures. Ah oui, tu fais les confitures à Michel. Là, on est à la confiture de myrtille. Alors, on aura pu constater sur la vidéo que quand Michel s'adresse à la gente féminine, elles sont toutes oui. Et ça, on peut le constater. Non, tu prends rien du tout quand même. Ah ben non. Mais bras, non, mais voilà, je vous en laisse une à chacun. Allez, adieu. Allez, allez les filles. À bientôt, on se bah ouais. Bip. Hein, abandole. Faites-en bien, abandole. Tous abandole. Ouais. Allez, on garde les bateaux. Ouais.